Je viens à ton secours! Tiens bon! Si seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi! Qu'est-ce que je vais faire? Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire? Pièce étrange, qui porte la marque de Caron. Typhon les a volés aussi. Caron économisait pour construire un pont. Gorgones ? Elles existent ? Quelle est cette lueur ? Peut-être qu'en approchant discrètement ?
ces brassards, je les ai déjà vus, dessinés. C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Héra et réalisé l'impossible en portant ses brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Arrêtez! Là, par ici! Affrontez plutôt quelqu'un qui est armé! Ainsi, Phénix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais, là? Cette chose, avec ta voix. Héraclès? Oui, c'est quoi, ça? Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. J'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Si seulement ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non, mais vous voulez pas vous embrasser non plus. Ah!
S'il est tombé dans cet endroit... Je vais te sauver! Je te le promets! Bon alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger-là. Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide au mystérieux étranger, mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'elle approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi? C'est ce qui est arrivé à Métis? Je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. La marque d'Ithaque. Ulysse. Petite, manier le pouvoir réclame plus qu'un adroit jeu de jambes. Voyons si tu sais le contrôler. Qui es-tu? Montre-toi!
cibles paraissaient assez faciles à atteindre. Mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non mais oublie. Aujourd'hui les gens savent plus concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du dieu qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Garde la main ferme et tu survivras peut-être, ma petite. Doté de l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès, Phénix était prêt à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. Quoi? C'est tout ce qu'elle a pour elle? Ah bah, bon courage! J'approche de l'oracle. Le désir de sauver son frère et ses camarades cuirassait la détermination de Phénix. Répugnante facilité.